parler de Nicolas Rey, qui est un grand réalisateur d'autrefois. Et Johnny Guitar est un de mes films préférés. C'est un western avec Sterling Hayden, où les femmes et les hommes sont un peu inversés. Et où les deux femmes ont des rôles absolument géniaux. Voilà, et j'avais adoré ce film. Mais par contre, par rapport à Blooming Saturn, Nicolas Rey nous a un peu influencé à l'écriture sur le personnage de Guillaume, qui est un homme d'action arrêté, parce que Nicolas Rey a fait entre autres très beaux films. Il a fait un très très grand film qui s'appelle Traquenard en français et Party Girl en anglais, qui est avec Sid Charis et Robert Taylor. Et Robert Taylor fait un avocat pris de plein de problèmes qui n'arrive plus à rien. Et c'est très marrant parce qu'on y avait pensé au tout début de l'écriture sur le personnage du Guillaume, l'homme d'action arrêté, le flic qui arrive à rien. Et en fait, après coup, quand on avait fait le film, Yves Thomas qui a écrit le scénario m'a dit « Ah oui, en plus, il y a du rouge comme dans Party Girl, parce que les décors de Party Girl sont très rouges. » Mais ça, j'avais complètement oublié. Voilà.